Cette famille est la plus consanguine des États-Unis. On te raconte leur histoire. Ces images d'eux ont fait le tour du monde. Déformations physiques, troubles mentaux. Dès les premiers abords, la famille Whitaker semble porter les stigmates visibles de la consanguinité et fascine le grand public. Pour certains, ce sont des êtres purs et touchants. Pour d'autres, ce ne sont que des bêtes de foire. Mais une chose est certaine, leur histoire hors du commun va vous laisser sans voix. Cette famille, c'est un photographe qui l'a médiatisée. Il s'appelle Mark Leita et a un projet plutôt très particulier en tête. Il révèle les Whitakers dans un documentaire diffusé sur sa chaîne YouTube Soft White Underbelly en 2020. Dès la première vidéo, il cumule 40 millions de vues et publie ses moments passés en leur compagnie sous forme de feuilleton. Mais sa rencontre avec la famille est en réalité bien antérieure à 2020. En 2004, il se lance dans la conception d'un album photo intitulé Created Equal, qui dénonce en vérité les inégalités sociales aux États-Unis en opposant chaque fois deux portraits témoins de la polarisation du pays, riche versus pauvre, libéral versus conservateur, et le contraste est à chaque fois marquant. Tous dénoncent et ont pour objectif de choquer. On y voit par exemple le portrait d'un mormon entouré de ses épouses opposé à celui d'un proxénète accompagné de ses prostituées. Et pour constituer son album, Mark sillonne le pays à la recherche de profils qui pourraient l'intéresser. Il fait la connaissance de personnes toutes plus atypiques les unes que les autres. C'est ce projet qui va l'amener à croiser le chemin de la famille Whitaker. Et c'est quand il arrive en Virginie occidentale, dans la petite ville d'Odd, qu'il rencontre un policier qui lui parle aussitôt de cette petite famille bien connue dans la communauté. Ils sont marginalisés et souvent moqués des habitants locaux. Lorsque le photographe arrive chez les Whitaker, il rencontre les membres qui composent la famille. Lorraine, Ray, Freddy, Timmy et Betty. Ils sont tous frères et sœurs, sauf Timmy, le fils de Lorraine. Ces derniers vivent dans une vieille bicoque insalubre, sans accès adéquat à des soins médicaux ou à une éducation moderne, sous un toit complètement délabré et au beau milieu d'un bazar monstre. Mark est profondément choqué par l'extrême pauvreté financière mais aussi intellectuelle dans laquelle ils vivent. Il remarque que chaque membre de la famille a des particularités physiques et pour certains, de très gros troubles du langage. Il y avait ces gens qui marchaient, leurs yeux partant dans tous les sens en nous aboyant dessus. Le seul qui nous regardait dans les yeux disait n'importe quoi, criait et s'enfuyait avec le pantalon qui lui tombait sur les chevilles pour taper dans une poubelle. En effet, un des frères, Ray, ne parle pas. Bien qu'il comprenne l'anglais, il répond en imitant les aboiements des chiens qui l'entourent. La famille vit là depuis des générations et aucun d'eux n'est allé à l'école sauf Timmy. Betty, l'une des sœurs aînées, est celle qui présente le moins de troubles physiques et mentaux. Elle veille sur la famille et s'occupe d'eux. Betty ne s'est jamais mariée puisqu'elle a promis à ses parents de veiller sur sa fratrie. Quand le photographe lui demande qui sont ses parents, Betty explique qu'ils étaient tous deux cousins germains. Son père travaillait à la mine, tandis que sa mère était femme au foyer. Ils ont eu ensemble 16 enfants, dont la plupart ont quitté la propriété familiale, tandis que certains ont choisi de rester. Mais leurs parents ne sont pas les premiers de la famille à s'être mariés entre personnes du même sang. Au contraire, les Whitaker sont issus d'une longue tradition consanguine. Des recherches de plusieurs généalogistes attestent que les racines de leur endogamie dateraient du 19e siècle. L'arbre généalogique commencerait par des frères jumeaux identiques, Henry et John Whitaker. Les deux frères ont chacun eu des enfants, dont deux de leurs enfants respectifs se sont mariés ensemble, commençant ainsi une habitude familiale de mariage entre cousins germains. Un des enfants du couple, John Isom Whitaker, né en 1882, a à son tour épousé sa cousine germaine, Ada Rigg, avec qui il a eu 9 enfants. L'un de leurs enfants était Gracie Irene Whitaker. Née en 1920, elle a épousé John Emory Whitaker. Gracie et John Emory étaient double cousins, c'est-à-dire des cousins qui partagent le même degré de consanguinité que des demi-frères et sœurs en raison de deux ancêtres communs. Tous deux ont eu 15 enfants et au fur et à mesure des générations, les effets de la consanguinité se sont fait sentir. Des problèmes de santé ont commencé à apparaître et des enfants ont souffert de graves handicaps physiques et mentaux. Hormis ceux qui habitent à Odd, d'autres membres de la famille ont également des enfants qui ne sont pas consanguins et vivent des vies séparées loin de la ferme où Betty et ses frères et sœurs résident. Au fur et à mesure de ses visites, Mark Leita s'est pris d'affection pour la famille, les trouvant étranges mais profondément humains. Pour leur venir en aide, il a lancé en 2022 et en 2023
deux cagnottes en ligne pour pouvoir leur acheter une nouvelle maison. Ces cagnottes ont permis de récolter plus de 120 000 dollars, mais ont été la cible de nombreuses polémiques. Un youtubeur, Tyler Oliveira, a accusé Mark de profiter de la cagnotte car, en effet, ce dernier a tourné une vidéo dans laquelle il se rendait en Virginie occidentale pour enquêter sur cet état qui est considéré comme l'un des plus pauvres du pays. Dans cette vidéo parue en 2024, il accuse Mark d'utiliser les Whitakers pour son intérêt personnel, dénonçant le fait que Mark Leita mettait en description de ses vidéos son propre lien PayPal. Le jeune youtubeur avait par ailleurs été scandalisé de voir les conditions de vie déplorables dans lesquelles la famille continuait de vivre, et ce, malgré les fonds levés. Mark Leita s'est lui-même défendu dans une vidéo postée sur sa propre chaîne où il explique qu'il s'approchait du but de leur acheter une maison, mais que la famille eut le solliciter régulièrement pour lui demander de l'argent pour toutes sortes de choses. Betty et Larry me téléphonaient toutes les 2 à 3 semaines, me disant qu'ils avaient besoin d'argent pour une voiture, que Larry avait cassé la sienne, qu'ils avaient aussi besoin de nourriture. Il y avait toujours une urgence, et c'était leur argent, donc je leur ai donné l'argent. Ainsi, le photographe l'a affirmé avoir donné aux Whitakers la totalité de la cagnotte, qui a laissé Betty sur sa faim. Ces accusations ont entraîné de gros débats sur l'éthique de la médiatisation de la pauvreté. Certains soutiennent que Mark Leita a agi avec de bonnes intentions, mais a rencontré des complications, tandis que d'autres estiment que la situation aurait pu être mieux gérée pour éviter des malentendus. Hormis ces polémiques, la famille est devenue célèbre malgré elle, bien que la société ne tolère plus les freaks chauves, l'exhibition d'êtres humains qualifiés de « monstres humains », très courant entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle aux États-Unis, les internautes semblent pour autant toujours se délecter du spectacle de ces humains aux particularités physiques hors normes. La famille Whitaker n'est d'ailleurs pas la seule à avoir été médiatisée pour des cas de consanguinité et autres similarités. D'autres communautés isolées ou familles ont également été mises en lumière. Les Bluffgates du Kentucky, une famille américaine dont certains membres avaient la peau bleue en raison d'une maladie rare liée à la consanguinité. Les Amish, une communauté religieuse pratiquant des mariages internes, ce qui a accru la prévalence de maladies génétiques. Ou encore les Habsbourg, une dynastie royale européenne, connue pour ses mariages consanguins. Certains avaient été confrontés à des problèmes de malformation, dont la fameuse mâchoire habsbourgeoise, caractérisée par une importante promandibulie inférieure. Alors, tu connaissais l'histoire de cette famille très particulière ?